bâtiments tels que le pavillon F de l'Université Omar Bongo, prêt à accueillir les étudiants. Aussi, plusieurs autres chantiers sont à la charge du CNU avec la rénovation du centre médical universitaire doté d'une pharmacie complète, le nouveau projet de la chambre témoin qui est en construction et la réhabilitation de la maison de l'étudiant. À l'école normale supérieure d'enseignement technique, le constat reste le même avec le foyer des enseignants totalement rénové. Retenez que le Centre national des œuvres universitaires reste ici dans la pensée du chef de l'État de faire du Gabon un pays émergent d'ici 2025. Et depuis plusieurs mois, vous venez de le voir, sous la direction du DG du CNU, les travaux entrepris touchent notamment l'ITO, le restaurant, l'ENSET et la mise en place de l'éclairage public à l'université Omar Bongo. Guilain Cabral et Mami Pierre Clavel. La vie estudiantine, en partenariat avec les établissements d'enseignement supérieur et les collectivités locales, c'est l'objectif visé par le CNU, le Centre national d'œuvres universitaires. Et pour matérialiser son action sur le terrain, le CNU a doté les structures dont il a la charge des éclairages publics, des restaurants flambant neufs et des groupes électrogènes. Quels en sont les objectifs et les perspectives? Nous inscrivons, notre action est inscrite dans la vision du chef de l'État de faire du Gabon une destination intellectuelle de choix. Et en cela, il est important que les conditions de logement, les conditions de restauration, les activités sportives, culturelles, sociales, l'encadrement médical des étudiants soient notre priorité. Nous nous attelons donc sur le terrain à rendre tout cela possible avec les moyens qui sont mis à la disposition du CNU, mais aussi grâce notamment au partenariat public-privé que nous développons énormément en ce moment. En 2010, le chef de l'État avait pris des engagements forts en convoquant les États généraux de l'éducation et de la formation. Cet engagement avait pour objectif de générer un système éducatif d'excellence pour notre pays. Et c'est pour accompagner le chef de l'État dans son action que le Centre d'œuvres universitaires entend doubler d'efforts pour l'amélioration de la vie des étudiants. Et justement, la vie des étudiants qui s'est notablement améliorée depuis plusieurs semaines avec l'ouverture du restaurant universitaire. En tout cas, il fait désormais beau vivre là-bas, comme vous allez le découvrir avec Guilain Cabral Lemani. Universitaire de l'université Omar Bongo a fait son plein. On pouvait voir plusieurs files d'attente des étudiants en attente d'être servis. C'est plusieurs plats variés qui sont à la disposition des étudiants grâce à une équipe dynamique dans le domaine de la restauration amenée par le groupe Sodexo. Il faut dire que cette ouverture du restaurant universitaire rentre dans les actions prioritaires du président de la République de rendre meilleures les conditions de vie des étudiants. Le restaurant a ouvert ses portes aujourd'hui suite aux instructions qui nous ont été données par la hiérarchie. La hiérarchie est laquelle? Le premier responsable, c'est monsieur le président de la République, chef de l'État, qui a instruit tout le gouvernement de ce que le restaurant des universités, l'université Omar Bongo, l'université des sciences de la santé, l'université des sciences et techniques de Massoukou, les restaurants des internats, tous les internats du Gabon, et le projet va certainement se poursuivre. Le restaurant va ouvrir sur trois pans. Il y a d'abord le petit déjeuner qui est servi entre 6h pile et 8h, de 2h de temps. Le déjeuner qui est servi entre 10h45 et 15h. Et le dîner qui est servi entre 18h30 et 21h pratiquement. Le coût du repas respecte le budget de chaque étudiant. Le petit déjeuner coûte 100 francs comme d'habitude. Je crois que je ne me trompe pas. Le déjeuner, celui du midi, 150 francs. Cette ouverture du restaurant universitaire vient à point nommé, d'où la satisfaction des étudiants. Les étudiants, comme vous le voyez, nous sommes satisfaits de la qualité du service et surtout que les conditions d'hygiène de nos repas, nous disons que c'est très bien fait. Depuis 2009, on attendait ça et c'est bon que ça a ouvert aujourd'hui. Ce sont au total 4000 places pour 15 000 étudiants. L'extension du restaurant est au programme du chef de l'État. Dans tous les cas, bon appétit à tous les étudiants. Et c'est ça la vraie réalité aujourd'hui à l'université Omar Bongo de Libreville. Tout autre chose à présent avec l'association gabonaise des droits
constitutionnelle reçue ce matin au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Cette nouvelle entité associative voudrait ici nouer des partenariats avec le Parlement gabonais, notamment l'Assemblée nationale. Henri Nesson-Djavé. Portée sur les fonts baptismaux au sein de la faculté des droits de l'Université Omar Bongo de Libreville, il y a quelques semaines, l'association gabonaise des droits constitutionnels se fixe comme objectif développer le droit constitutionnel au Gabon. Et cette rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Guizou Badama, qu'entouraient quelques membres du bureau et des responsables au sein du cabinet du président de l'institution pour justement jeter les bases d'un partenariat solide en sortant des sentiers battus de la théorie enseignée dans les facultés de droit afin de pouvoir ainsi travailler dans un cadre propice avec les praticiens du droit que sont les députés dans la production de la norme, mais aussi dans le contrôle que le Parlement, de manière générale, effectue au niveau de l'action gouvernementale. L'association compte travailler dans ce sens pour être des instruments qui contribuent au développement du Gabon et in fine être associés en partenariat dans la fabrication de la loi, dans l'expertise qu'ils peuvent apporter à l'Assemblée nationale et aux autres institutions de la République. Une rencontre mise à profit dans la perspective de l'organisation d'un certain nombre d'activités dès le mois de juin prochain, sauf changement de calendrier. L'Association gabonaise des droits constitutionnels de l'Université Omar Bongo de Libreville compte organiser une étude globale de la Constitution gabonaise à travers un colloque. Pour sa part, le président de la première chambre du Parlement, Guizou Badama, tout en qualifiant cette démarche de fructueuse et constructive, a dit toujours militer pour que les universitaires gabonais sortent du campus pour aller vers les populations. Et ceci participe de l'intégration de l'université dans la société gabonaise. Pour le président de l'institution, il est temps que les Gabonais s'approprient cette constitution gabonaise. Il a promis que l'Assemblée nationale sera pour cette association un véritable partenaire. C'est-à-dire que les membres de l'Association gabonaise des droits constitutionnels ont eu à travers cet échange une oreille attentive et bénéficié des sages et précieux conseils du président de l'Assemblée nationale, Guizou Badama, et comptent exploiter à bien le cadre de séance de travail qui sera mise en place pour certainement approfondir la discussion. Et justement, le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés qu'une réunion de la séance plénière se tiendra demain, mercredi 8 mai, à 10h précise, dans l'hémicycle du palais Léomba. Les points inscrits à l'ordre du jour, questions orales aux membres du gouvernement, examen et adoption des textes suivants, projet de loi relatif à la sécurité des navires, projet de loi complétant certaines dispositions de la loi du 8 mai 63 fixant la composition du domaine de l'État et les règles qui en déterminent les modes de gestion et d'aliénation, proposition de loi portant orientation de la politique de prise en charge et de la protection des malades mentaux en République gabonaise, projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un partenariat de défense entre la République gabonaise et la République française, projet de loi complétant les dispositions de l'article 42 du chapitre 1 du titre 3 de l'ordonnance 77 du 2 février 77 portant adoption du code de procédure civile, projet de loi portant application de certaines dispositions de l'acte uniforme OADA relatif à l'arbitrage, les questions diverses. La présence des honorables députés à cette séance de travail est vivement souhaitée. Et puis, les opérateurs économiques du secteur de l'artisanat, ce matin, chez le président du Conseil économique et social, objectif ici, réfléchir sur les points susceptibles d'apporter un plus à la réflexion du président de la République, du gouvernement et du Parlement dans le domaine de l'artisanat. Frédéric Alougué, c'est ça. Charles Idriss Mungala.
membres du bureau de l'Assemblée au complet, cette rencontre entre le président du Conseil économique et social, Paul Biyorimba, et les opérateurs économiques de la place avait pour but principal d'échanger des échanges qui doivent permettre aux responsables numéro 1 du CES et à ses interlocuteurs d'identifier des points de partenariat, le Conseil économique et social ayant la capacité de proposer les aspects sur lesquels reposeront les diverses réflexions aux décideurs du pays, notamment au président de la République, au gouvernement et au Parlement, des aspects qui faciliteront la tâche à ces institutions républicaines dans le cadre de leurs compétences. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, j'ai donc rencontré le secteur de l'artisanat, qui est un secteur productif qui mérite d'être boosté, qui mérite d'être soutenu, parce que dans le cadre même de la diversification de l'économie, l'artisanat, tout type d'artisanat du reste, peut valablement contribuer à améliorer la construction du PIB, à améliorer les apports au budget, à créer de l'emploi, parce que dans l'artisanat, il y a des métiers et des possibilités de réel de recruter du personnel de tout genre, hommes et femmes. Une discussion entre le président du Conseil économique et social avec des différents acteurs socio-économiques très enrichissante parce que totalement ouverte, le président de séance ayant donné la garantie de transmettre à qui de droit toutes les propositions qui ont été retenues. Il nous a dit d'ouvrir le cœur, on l'a fait, on a ouvert le cœur, on a travaillé et il nous a donné un travail maintenant à faire qu'on doit lui déposer ça au plus tard un mois. Le travail qui concerne sur les textes sur l'artisanat, la mise en place effective de la chambre de métier du Gabon, la loi d'orientation du métier de l'artisanat. En toute liberté, tout un chacun a formulé ses voeux dans une grande ouverture d'esprit. Des rencontres avec d'autres acteurs sociaux sont prévues jusqu'au 7 août de l'année en cours. Je voulais également annoncer discussion ce matin dans un hôtel de la place de Libreville entre le gouvernement gabonais et la Banque mondiale autour des résultats et des recommandations du rapport sur la revue du système fiscal. Basile Biogou Mikala, Yvette Okosa. Le gouvernement gabonais a signé avec la Banque mondiale en janvier 2012 un important accord de services d'assistance technique et de conseil dans lequel la Banque mondiale s'est engagée à fournir un ensemble d'études et de services d'assistance technique, dont une revue du système fiscal gabonais, d'où cet atelier de restitution. En dépit d'importants efforts fournis par le gouvernement gabonais ces dernières années, le Gabon est encore perçu comme un pays où il est difficile de faire des affaires. Pour rendre le climat de l'investissement plus attractif, je recommande qu'en même temps que le Gabon s'attaque aux autres aspects du climat d'investissement, qu'ils s'orientent vers le remplacement d'un système discrétionnaire d'incitation fiscale composé de décrets particuliers, d'accords et de conventions, vers un système plus transparent où les incitations et les critères clairs de qualification sont inclus dans les codes des impôts et des douanes. Dans son discours d'ouverture, le ministre a décliné l'objectif principal de la revue, à savoir permettre d'identifier les faiblesses du système fiscal national, mais également de proposer des pistes de solutions en vue de renforcer la performance du système. Quatre objectifs majeurs sont poursuivis. Il s'agit notamment de la mise en place d'un système fiscal neutre et transparent, l'accroissement de la compétitivité des entreprises par une réduction si nécessaire de la charge fiscale effective supportée par celle-ci, l'amélioration de l'efficacité du système d'incitation fiscale et douanière, la simplification et la modernisation des procédures de paiement des impôts et taxes. L'urgence d'une réforme fiscalo-douanière est de mise, étant entendu que pour la seule année 2011, l'État gabonais a renoncé sous forme d'exonération à 46% des recettes douanières et à plus de 200 milliards de recettes fiscales. Et justement, du ministre de l'Économie, ce communiqué qui porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs que conformément aux dispositions du décret du 29 juin réglementant le régime des jours fériés au Gabon et modifié en son article 2 par le décret du 26 mai 2004, la journée du jeudi 9 mai 2013 marquant
La journée de l'Ascension est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Nous y reviendrons. Retenez que le Gabon a signé hier à Libreville le pacte national de programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique, une occasion pour notre pays de formaliser son engagement à œuvrer pour le développement de l'agriculture au Gabon. Jean-Pierre Moussouami, Charline Ourapira.